Et salut tout le monde, c'est Valex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, PvP Swap, ce soir Epicube, en citadelle, un défi, donc qui consiste à gagner un défi à la pioche. Je tiens à dire que cette vidéo est commentée en différé, c'est pour ça que voilà, je commentais un petit peu mieux. Et je pense que voilà, franchement ça fait plaisir commenter en différé, c'est beaucoup plus simple. La vidéo en fait, pourquoi j'ai fait en différé, c'est à cause que pendant que je faisais le défi, j'étais avec Darkstorm, et oui je fais des défis avec Darkstorm, il était pas dans ma game en fait. Il était en train de troller des Kikou, je sais pas trop, j'ai pas compris en fait. Et le défi consiste à gagner à la pioche, vous allez remarquer aussi que j'ai joué Stuff My. Et ouais, j'ai joué pratiquement Stuff My tout le long de la partie. Bon, là, je suis en train de récupérer un peu de coffre. Je me balade, il n'y a plus rien à faire. Je regarde un petit peu le chat, vous voyez, je m'emmerde un petit peu. Vous allez aussi remarquer que j'ai beaucoup de flèches dès le départ. Ça c'est vraiment un avantage assez cool parce que je vais faire deux kills tout à l'heure. Je les ai un peu ramasse-miettes, voilà. Je fais un petit ramasse-miettes tout à l'heure. Et ça me permet d'avoir un arc assez rapidement. Et voilà, avec l'arc, tout est gagné, hein. Là je fais un petit peu le kikou, je fais une belle barricade en slime, hein. C'est la meilleure barricade qu'on peut pas faire, hein. Ça se fait one shot et voilà le mec, attention, il brise mon bonheur, boum. Bon, non c'était juste un troll. Sinon, petite vidéo, vu la vidéo est assez swag, vous allez voir que le gameplay est assez... Pas mal, voilà, il était pas mal, parce que si je dis qu'il est assez cool et tout, et vous aimez pas, ben voilà. Donc, petit défi qui est de 35 likes comme la vidéo... Voyons, comme la vidéo PvP Swap normale. Je pense que c'est faisable parce que la vidéo PvP Swap normale, on y est déjà arrivé. Et puisque c'est un défi, normalement vous aimez plus ça. Donc, je pense que ça fera, que ça vous fera plaisir. Voilà. Ça va swap très bientôt, vous allez voir, là, je fais des petits trous, vous voyez. Juste pour troller les gens. Il n'y a personne qui est tombé dedans. Du moins, je pense. Donc, ça swap. Là, vous allez voir le beau petit fight. Voilà, vous allez voir. Ça swap. Je m'approche des gens, je joue un petit peu, ils sont deux, j'ai fait un petit peu exprès pour les rassembler. Vous voyez, lui j'ai fait éloigner, il a parlé de moi, j'ai pas compris. Le mec a une pioche dans les mains, il a parlé de moi. Il a essayé de me tirer à l'arc, c'était foireux. Là, il est venu vers moi. Pendant ce temps-là, j'ai vu que l'autre allait pour l'attaquer de dos, donc j'en ai profité. Pendant qu'il me coursait, je lui ai mis une slowness, j'ai reculé, je les ai laissés se fight. Après, j'ai pris de dos, ouais, c'était un peu pute. Vous voyez, il y avait quand même 10 11 PV. Lui, j'ai réussi à le tuer, il était vraiment focus sur l'autre. J'active pas ma tête, comme un con. J'ai réussi à le tuer. Et là, j'ai du stuff à gogo, j'active tous les têtes, expérience mousse. Donc, pour le prochain fight, vous pouvez vous douter que je vais avoir expérience mousse. Sinon, ouais, ceux qui vont se dire dans leur tête, oh, c'est ouais, c'est un gros ramasse-miettes de mes deux, comme il est écrit dans le chat. Il y avait quand même des charmes des deux. Et un port, hein. Donc, moi j'avais une pioche. Je pense franchement que c'est pas du ramasse-miettes. Sinon pour ce swap, vu qu'il n'y a plus de fight, vu qu'il n'y a plus personne dans le swap, je vais faire une petite accélérée et on se retrouve tout de suite après. Allez, allez, à tantôt. Et re les amis, voilà, ça vient juste de swap. Donc, là il y a beaucoup de mecs, il y a un seul mec en fait dans celui-là. Vous allez voir, j'ai quand même bien géré, j'ai joué un petit peu à l'arc, j'ai essayé de faire un peu le combo. Bon, j'ai pas tué de fou, j'ai essayé vraiment d'affaiblir à l'arc, je manque souvent mon coup. J'ai lancé un jump boost, je tire, après je lui mets un petit coup à l'arc, un petit coup à la pioche. Je retire, là je le tape, hein, qui essaie de s'enfuir, là il va se revirer, je le termine à la pioche, normalement. Alors il sauve tout le long, je crois que je vais y mettre une flèche en fait. Ah, non, non, ouais, je doute en fait. Non, je pense que je vais le finir à... Ah non, il s'en vient, voilà. Là, on engendre ce fight, il m'a quand même mis très mal, je sais pas c'était quoi son épée, mais il m'a mis à 2 coeurs et demi. On va voir exactement c'est quoi son épée, si je la tasse dans mon inventaire. Je récupère sa tête. Là je prends un peu de stuff comme vous pouvez voir, regarde, j'ai juste encore regardez, j'ai juste un plastron encore un plastron et des bottes en fer. J'ai pas le stuff du centre. Il y en a, vous allez voir au swap final, il y en a qui ont le pantalon, qui ont les bottes en diam, ils ont la totale. Et vu que dans cette partie de
de swap, bah, il y a encore plus personne. Je vais vous faire une petite accélérée et on se retrouve tout de suite après. Allez les amis, à plus. Et re les amis, donc on est on vient de swap en fait. Donc là vous allez voir, vous avez pu apercevoir que j'ai pu me procurer une speed 2. Je l'asperge des débuts, je vais rush un mec, j'active bat attaque, je suis un peu la pute, je sais pas s'il a perdu son épée. Il me tape, je lui mets quelques coups. Lui je pense que je me le suis fait pas mal juste à la pioche. Ouais, lui je me le suis fait full pioche, vous voyez que je lui mets un petit combo. Je replie un petit peu parce qu'il me faisait quand même mal. Et je le finis à l'arc, voilà, il sauve, je voulais absolument pas que l'autre allait me voler kill. Je crois qu'il était en team, franchement je sais pas, mais il était tous les deux contre moi, il se tapait pas en fait. Donc là j'ai mis un petit combo, il tombe en bas. Là je suis en gros mode stress, je suis vraiment stressé à ce moment. Regardez mon nombre de vie, je suis à 3 quarts et là je le spam bow, mais spam bow jamais vu. Vous allez voir, j'ai réussi à y mettre beaucoup de flèches. Je lui ai fait un full arc lui, franchement je lui ai fait un full arc parce que c'était mort là. Vu mon nombre de vie, tout le long de la course et du spam bow, j'étais toujours dans les 4 coeurs, 5 coeurs. J'ai jamais pu me régénérer, sinon je l'aurais tenté à la pioche, mais là c'était vraiment pas faisable. Donc il continue à essayer de me jouer à l'arc lui aussi. Il essaie d'arriver à l'épée, mais s'il arrive à l'épée, c'est fini pour moi. Donc il me met slowness. Et là il est presque mort. Là j'étais vraiment très content. Et vous allez remarquer aussi que j'ai pas équipé le stuff de l'autre mec. L'autre mec était quand même bien stuff, j'ai pas équipé. Là j'essaie de monter en haut, il me cale une flèche. Voilà, là je me replie, là je suis vraiment mal niveau vie. Vous pouvez apercevoir que j'ai encore 4 coeurs. Là je tente de lui mettre des flèches, le fight a duré quand même assez longtemps. Je tente de lui mettre des flèches, je bouffe un petit steak de la famille. J'y mets une flèche et là, regardez bien, la flèche finale qui passe pas inaperçue franchement là. La flèche finale, je vous jure, j'ai gueulé. Je pense que je vais faire un petit bonus en fait, à la fin de la vidéo, je vous mettrai ma réaction pendant que j'étais sur Skype avec Darkstorm. Vous voyez, et la flèche finale, attention. Et attention. Et bruh, voilà, j'ai gagné la partie, j'étais hyper fier, je vous jure, j'ai gueulé, donc la réaction va, je vais vous donner la réaction tout de suite après la partie. Sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous a plu, et voilà, vous allez voir la réaction, allez les gens, à plus, portez-vous bien d'ici là, et ciao ciao. Mais attends, je suis pas occupé là, allez, allez, oh putain ma gueule. Oh, oh la jouissance. Mec, je ne ressens de faire le défi à la pioche sur Citadel, one shot, one rect. Putain mon gars, je te jure, le dernier je l'ai spambo, il a voulu me ra... Je la garde, je la garde.